Bon, tu vas rester là? Salam alaikum. Ça va? Hein? Qui c'est qui pleure? Moi, je pleure pas. Bon, non, c'est calme, hein, c'est personne. Allez, on se perd de là. This is it, Pauwena po ako sa France after 2.5 months here in Manila at my cousins. It's weird. I have mixed feelings between excitement and anxiety. I'm going to bring you with me inside a plane during this whole COVID-19 situation. How I got ready, I will show you everything inside and out. So, sana you'll enjoy the ride with me. Ma jour J, ça y est, on est dimanche 7 juin, j'ai mon vol pour rentrer à Paris ce soir. Maaga po ako nagising today para makabonding with Lola bago ako umalis, umuwi sa Paris. So, let's go. Hello! Iniwan ko po kung pwede po eh. Ganyan naman po. So ayan, after kami mag-chika-chika, well, of course, like all Filipino lolas, she gave me Skyplex and then I had to do TikTok dance. Lola! Hello! Bon voyage! See you again, see you soon! Ça y est, j'ai fini. Tapos na po ako mag-empake. Almost ready na po ako. Konting magulo pa. Pero, ayun, itatry ko na ang PPE. Donc, c'est une combinaison qui couvre tout le corps, adapté pour la situation de pandémie. Those are the remaining PPEs of my cousin, Carlo, who's a doctor. C'est parti pour les essayages! Oh, my scratch. Oh. Cute. Give me a pose ka. 5, 6, 7. Pose. Yeah. My turn. Orange to orange. Oh, where are you? Yeah, the final ano step. Ano to? Ano yun? Nasa side? Yan, yan. Ah, baka pwede mong gawing ano, oo. Mas okay yan. Double mask. Ayan! Let's go! Let's travel! Ang kitang gawin. Parang Teletubbies. Dun, 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 dun. She's scared. Sa may ulo. Bon, ok, c'est fini les bêtises. Retournons à la préparation. Alors là, je prépare des sandwichs avec ma tante. That's how caring and loving Filipino moms are. Tita, always taking care of me. Mommy in the Philippines. Ayoko po kasi masyado kumain kasi matatay po. Bruh! Oh, I'm not ready. See you in the yes! Show.
Dito, pag nag-LBM ka, yan, dayan tayo. J'adore, elle m'a carrément donné une trousse de secours au cas où j'ai la diarrhée, j'ai mal à la tête ou quoi. Elle a pensé à tout. Vix, pag masakit ulo mo. Tapos, oh, lagay mo to. Okay na po. Sahan, carry mo. Hey! Our frontliner. My boy, don't be sad. Kama ka na sa Paris? Yes. Oh. Faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. Janina. Yeah. Bye bye. Bye-bye. Oh, kayak na ba ako? No. Ingat ka. Sabi ko, ayaw ko umiyak eh. Ingat ka. Ingat rin. And take care of yourself. Bakit tayo umiyak? So weird. Grabe yung sa atin, pinakamatagal mo dito eh. Oo nga eh. Bye. 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 Coco. Bye, Eya. See ya. Let's go. This is it, almost 3 months lockdown in Manila, and it's time to leave the motherland for the homeland. This period was definitely a challenge for all of us in different levels, no matter what your situation is. But instead of looking at it as a challenging and hard period, I want to look at the bright side. Time given to us for change, to do better, to focus on what really matters in life and to you personally. So I hope that you guys took this opportunity to spend time with your relatives, to bond, and especially time for you, for yourself. We don't know what the future holds, but in the midst of all this darkness, I have hope for a brighter and greater future full of changes. Et voilà, on est arrivé à l'aéroport, top chrono, je crois qu'on n'a jamais été aussi rapide. Et je rentre dans l'aéroport toute seule, ça y est, je suis livrée à moi-même. Et il y a du monde. Hello, humans. Madame, what's the day? 200. Alors, je vois surtout des foreigners, des étrangers. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils veulent tous rentrer en tout cas. Et maintenant, c'est le moment de déposer les bagages. Staying on board, Kayla. Okay. So 7:15 is the boarding time. We'll be using gate number 10. You're on zone 1 for business class boarding. Ouais, ouais, t'as bien entendu. Business class. Et seulement pour 24 euros. Ouais, 24 euros le billet d'avion Manille-Paris. Mais comment j'ai fait? Alors attends, je t'arrête tout de suite parce que, un, j'ai pas les moyens de m'acheter un billet d'avion business class. Mais par contre, je peux te donner un conseil sur comment bien voyager intelligemment. Parce qu'en fait, avec American Express et Air France, vous pouvez être membre d'une carte Flying Blue. Et avec cette carte, pour chaque dépense, vous pouvez cumuler des points. Et avec ces points, vous pouvez acheter plein de trucs parce que c'est un partenariat Amex Air France. En l'occurrence, là, on a pu accumuler assez de points pour carrément acheter un billet entier. Donc au total, la facture, c'était genre 100 000 points pour le billet d'avion et 24 euros pour les frais d'aéroport. Boarding and then Amsterdam Paris. Ok, salam, mad, good luck. Rakalabi ko lang ang baggage. So na yon, we're going through immigration. Je viens de passer la sécurité. Tout est fermé. Regardez. Toutes les boutiques de duty free fermées.
pero Starbucks and one supermarket is open. Non mais je suis choquée de voyager comme ça. Franchement ça fait trop bizarre. C'est flippant. Allez, Inch'Allah, tout va bien se passer si vous voulez. Ça y est, je suis rentrée dans l'aéroport. À Roland, on aura pipi et dito. Init, super init sa loob. Tapos naka masque pa, hindi ka makahinga. Et je dois porter le masque, c'est obligatoire dans l'avion. Ça va être super compliqué et à chaque fois que je respire, regardez. J'ai de la buée qui sort. C'est une galère. Et ist is ganda, comme on dit. See you inside the plane. Non, ça c'est pas trop sexy, non. Ganda, ganda, ganda. Et ça va. Ok, thank you. Mon siège, business class. Il y a personne à côté de moi. J'ai choisi la meilleure place. Une rangée où il n'y a personne. J'ai côté window. Je suis en train de charger mon téléphone. En attendant le décollage, bah, petit snack, hein, un petit carambar au caramel que je fais glisser dans ma bouche au calme. Et j'avais des Kleenex, donc j'ai commencé à laver tout mon siège. Bye Manila, see you soon. Il n'y a que moi qui m'endors au moment du décollage. The water is good. Perfect, thank you. Ooh, une petite boîte avec à manger à l'intérieur. Wow. Here's a little visit of the business class inside Air France KLM. As you can see, there's a lot of movies. But first, let me clean those headphones. And now let me show you the seats. Alors sur l'accoudoir, il y a une petite télécommande comme ça avec des flèches. Tu cliques dessus et il y a le siège qui bouge. Push on the bottom and you're gonna slide down and lay down. Trop la classe. Allez, c'est l'heure de manger. On prépare la table, on va grailler le sandwich au thon. Bon, c'est un peu la galère avec le masque, mais bon, voilà, ça c'est mieux. Ça y est, on est à Bangkok. Alors, il y a une équipe de nettoyage thaïlandaise qui est là pour nettoyer, pour jeter tout ce qui est poubelle. Et je crois que le cabin crew aussi change. J'ai vu une hôtesse de l'air partir avec sa valise. Alors pendant que j'étais posée au calme, il y a un steward qui vient vers moi et qui me demande de changer de siège, de passer du rang 6 au rang 5. Et je me retrouve alors avec tous les autres passagers de business class. Comme je suis très très gentille, j'ai dit oui, mais à condition que j'avais vraiment vraiment pas de voisin quoi. Hi. Hello. Hi. Ano bayan pangpalo? Welcome to you. Thank and, you. Hope we have a good safe trip to Amsterdam. Yes, thank it's you. It's a strange situation. Yes. But, I'm your stewardess for tonight. Oh, c'est cute. Ils nous ont donné un petit souvenir d'Amsterdam. Alors franchement, j'étais KO. L'avantage des vols de nuit, c'est que tu dors et que le temps passe vite. Regardez là, ça faisait déjà 10 heures et je me réveille au calme. Oh, vous avez vu ça? J'étais allongée, je m'étire les bras, le dos et oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Je me réveille avec un sandwich et un autre petit lunchbox avec les mêmes viennoiseries. Petit étirement du matin, tac, droite, gauche, les jambes, les cuisses. C'est trop bien. Et regardez-moi ce lever du soleil. Magnifique. Bon, direction quand même les toilettes. Je me suis retenue, mais j'ai pas réussi. Déjà, il fallait que je me brosse les dents. Et puis quand même, pipi room. Bah, les toilettes business class, toujours aussi serrées, hein, mais c'est ça, c'est un avion. Puis trop cute, des petites décorations. Ah, mais c'est pas fini.
je découvre un plastique avec plein de snacks à l'intérieur. Des Oreos, des Rice Crackers, du Coca, des pommes, du Kit Kat, du fromage. Good morning! Il ne reste plus que 1h20 de route avant qu'on arrive à Amsterdam. Les gens se réveillent petit à petit. On arrive bientôt à Paris. Morning! Ils nous donnent encore à manger! Oh là là, là c'est des plats chauds! Ah mais là c'est clair que tu vas pas mourir de faim avec Air France KLM hein. Et pour finir, eh bien j'ai regardé un dessin animé Sing et comme d'habitude, bah, je pleure. Voilà, je fais partie de cette team fragile. Et ça y est, on a atterri à Amsterdam. We hope of this crew, thank you for flying with KLM. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Donc là, je vais faire mon transfert. I'm gonna transfer to the next flight, Amsterdam to Paris. There's nobody. Là, je viens de passer le transfert, la sécurité, et j'ai dû enlever ma combinaison PPE, me changer après. Douche, douche. Oh, il y a des douches, c'est trop bien. Oh, mais si je savais, j'aurais pris un truc. Ah, d'accord. Bon. Je viens de changer mes habits. Putain, c'est tout petit ici. Ok. Oh, il y a que moi qui porte un PPE, il y a même les cabin crew et tout, ils portent pas. Ils portent même pas de masque. C'est bizarre. Donc là, je dois passer l'immigration et je vais devoir enlever mon masque. Direction gate 78. Même les cabin crew, ils me regardent genre, c'est quoi ça? Mais ils savent pas trop comment réagir. Moi, c'est vrai, ça doit être un choc de voir quelqu'un en pipi, mais bon. Ça va, I stay human, you know. Bon, je vais faire un petit point de mon premier vol. Je vais juste enlever ça parce que... Ah, c'est mieux. Le plus long voyage est passé. Et en fait, il y avait quand même du monde, je trouve, dans l'avion. Il y avait vraiment le respect de la distanciation sociale. The seats of Air France KLM business class are very comfortable, so you can literally lay down. I could tell that the stewardess were kind of uncomfortable when they saw me. I mean, look at me. I look like an astronaut or like an alien. The stewardess actually didn't wear any PPE, which I was kind of surprised. I thought they would be the one wearing that and masks and all, but they were wearing their nice blue uniforms and a mask. That's it. I'm starting a new fashion statement, but I guess people are like kind of freaking out when they see me. Seriously, I can sense it. They're staring at me and like some people were actually taking photos of me. Alors, truc de ouf, je me suis connectée sur internet, il y a le wifi gratuit dans l'aéroport d'Amsterdam. Et là, je reçois un message d'Olivia, jeune fille que j'ai rencontrée l'année dernière pendant que j'organisais avec la petite Mani le foot festival Philippin, qui est devenue bénévole. Et elle m'envoie un message, elle fait « Ouais,
moi aussi, elle a pris le même vol. Et du coup, elle est là. Non mais qui aurait cru que même pendant une pandémie, je vais croiser des gens que je connais? Et je suis choquée. Et mais qui aurait cru? Mais je suis choquée. Salut. Ça va? Et j'ai trop chaud. Oh my god. Non, en vrai, t'as raison. Hein. C'est deux problèmes. Huh? Pardon? It's not. It's this one? You have to go to C13. You have to hurry. C13. It's not the same. C'est pas le bon vol, c'est pas la bonne porte. Ça arrive qu'à moi ce genre de truc. J'ai été à deux doigts de rater mon vol, les gars. On va faire un petit rewind. Vous voyez ça, cet écran? J'étais en train de pointer sur le vol de 9h15, direction Paris, porte des 78, ça c'était bon. Mais en fait, mon vol, c'était Air France à 9h30, porte C13. Et C13, c'est pas la porte à côté. Non, fallait que ça soit de l'autre côté de l'aéroport. Du coup, j'ai couru comme une dingue. Imaginez quelqu'un qui court comme une folle comme ça dans l'aéroport en train de crier de je respirais fort, j'arrivais plus, j'ai enlevé mon masque, ma capuche. Je pense qu'ils devaient dire mais c'est une folle celle-là. En plus, il y en avait qui me criaient dessus parce qu'en fait, j'ai mes affaires qui sont tombées de mon sac à dos. Il y avait ma trousse avec tous mes passeports, mon tripod aussi qui est tombé, mais n'importe quoi. Je suis vite allée les récupérer et j'ai couru au gate. J'ai vu, tu sais, le sort de petit train là qui t'emmène de gate en gate pour les vieux. Je voulais monter dessus en mode « Ramène-moi là-bas, ramène-moi à ma porte !» Mais Walou, il n'y en avait pas. J'étais limite en train de pleurer parce que je me voyais déjà rater mon vol. Punaise, comme par hasard, genre, vraiment, fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive comme moi, ce genre de choses. C'était comme dans les films. Putain, je me suis trompée de gate. Et là, les gates, ils allaient fermer. Et heureusement, ils m'ont attendu. Franchement, j'ai en train de pleurer, là. J'ai failli rater mon vol. Made it. So yung bagahe ko na mix up sa Amsterdam. So dinala naman sa Paris, pero nasa kabila ng airport. So idadalhin na dito. Hintayin ko lang. No comment. Voilà. Alors la gentille dame a réussi à localiser mes deux valises. Les valises vont arriver ici dans un instant, enfin, j'espère. J'espère rapidement parce que ça fait long. One eternity later. Pas faire des retrouvailles normaux, c'est genre on est à l'heure, voilà. Non, il y a toujours un challenge, toujours un challenge. Mission accomplie. C'est une vidéo. La classe, hein. Bah, c'est juste aujourd'hui parce que d'habitude on est en tenue. Bamba, hi. On va où? Parce que sortir de l'aéroport là.
Là, ça s'est arrêté. Ça s'est éteint ? Ouais. J'ai plus de batterie.